Test micro, test, test, test micro. 1, 2, 3, 4 1, 2, Et Kikou la compagnie. Ou les petites saucisses. C'est pareil, ça roule. Vous trouvez comme moi que la vie en ce moment, elle sent un petit peu le bon vieux beurre bien rance ou les aisselles de notre voisin alcoolique. Ouais, y'a moyen que la vie, elle sente un peu ça en ce moment. Est-ce qu'on est pour autant parti pour se chouiner dans les coudes toute la journée? Bah non, pas le time. C'est parti pour la vidéo spéciale, mes favoris, comme les youtubeuses beauté. Ce format est un super alibi pour vous parler de bouquins, de projets, d'événements que je kiffe et qui méritent d'être mis en avant. Il y a zéro sponsor là-dedans, c'est juste de la propagande pure et simple. En avant, c'est parti. On va parler de livres, parce que les livres, à vous, ça rend moins con. J'ai rencontré récemment, lors d'une conférence à laquelle j'étais invitée à Villeurbanne, deux auteurs de bande dessinée qui ont aussi travaillé sur les questions de l'autonomie alimentaire. Et ils en ont fait deux super BD que j'ai découvert à cette occasion et que je vous conseille fortement. Nous démarrons par Junk Food, qui est écrit par Noémie Weber. C'est une sorte de parodie du Livre de la Jungle, mais version imaginée au pays de la malbouffe. À la place des 5 fruits et légumes par jour qu'on recommande, là on parle de 5 frites et de nuggets par jour. Et donc dans cette bande dessinée, on voit plein de personnages un petit peu loufoques, comme les revendeurs, les trafiquants de légumes, puisque du coup c'est devenu un petit peu interdit et illégal de manger des légumes. Ça se transforme très rapidement en satire de notre société. Évidemment. C'est très drôle, c'est grinçant comme j'aime, c'est hyper facile d'accès, donc y compris pour des jeunes adolescents, je pense que ça peut vraiment leur plaire. Donc voilà, je dis ça, et ben ça c'est super, Junk Food. On enchaîne avec la prochaine BD qui s'appelle Jardin d'hiver, qui a été écrit par Paul Rey, et dessiné aussi d'ailleurs. Alors déjà c'est très beau, et ça fait vraiment grand écho à ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans le monde, et c'est rigolo parce qu'il l'a écrit avant la pandémie. En gros, l'histoire se passe à Paris, après une effroyable pandémie qui s'appelle la tératoxmose, y a énormément de monde qui sont morts, et toute vie animale et végétale a disparu. Du coup, c'est un truc qui s'appelle Synthetisia, qui est devenu le fournisseur mondial de plats préparés, et qui a évidemment pris le monopole sur l'industrie agroalimentaire. Les fruits et les légumes ne poussent plus en terre, et du coup si on veut se procurer des graines et de l'engrais, il faut aller du côté du marché noir, à nos risques et périls, puisque la brigade anti-nature est là pour nous toper. Alors la brigade anti-nature, ils ressemblent un peu à des skinheads nazis, du coup on n'a pas trop envie de manger des gâteaux avec eux. La fin est aussi très grinçante et très satirique. Je conseille fortement, ça c'est GG. Dernier bouquin, et après on passe à autre chose, parce que bon, c'est bien de lire, mais il y a d'autres trucs à faire aussi dans la vie. La parabole du semeur, de Estelle Octavia Butler, Octavia Estelle Butler, qui est une écrivaine de science-fiction afro-américaine. Moi je m'y connais pas très très bien en science-fiction, et je crois avoir démarré par un très très bon livre en la matière. En gros, le pitch, c'est qu'on est en 2024, aux States, et c'est le chaos total, c'est la misère, c'est la violence partout. Et le jeune personnage principal, qui a 15 ans, se demande un petit peu ce qu'elle va devenir au sein de sa communauté, qui pour l'instant se barricade un petit peu entre quatre murs, mais qui craint beaucoup de se faire bouffer par les pillards. Du coup, c'est un petit peu l'histoire d'une fuite de ce monde-là chaotique, mais c'est aussi l'histoire d'une quête spirituelle, de l'émancipation d'une jeune femme qui du coup va prendre son empowerment, comme on dit. C'est très beau, c'est ultra vénère. Lisez ce bouquin. Bon, du coup, avec toutes ces conneries, j'y ai un peu réfléchi et je pense avoir trouvé un programme pour sauver l'humanité. Je pense pas que ce sera avec des cotons démaquillants réutilisables. Je pense plutôt qu'on peut faire la nique à l'amorosité en se foutant des paillettes partout sur la gueule. Le seul problème, c'est qu'on le sait, les paillettes, c'est de la grosse merde, parce que c'est des microplastiques qui sont tellement petits qu'ensuite ils passent dans l'eau, et l'eau, ça va dans les trous de nez des animaux, et ils s'empoisonnent. Et du coup, nous aussi, par la même occasion, au bout d'un moment. C'est le même délire pour les produits exfoliants, là, c'est des microbilles de plastique, et ça, pareil, ça part dans la flotte, c'est de la chiasse. C'est nul. Bref, j'étais un petit peu emmerdée ces dernières années à pas pouvoir vivre pleinement ma vie en paillettes. Mais il se trouve que je suis tombée sur un projet qui s'appelle Sissi la paillette. Et les meufs, elles ont enfin réussi à concilier la teuf et l'environnement. C'est-à-dire produire des paillettes
Mais biodégradables. Oui, messieurs, dames, des paillettes biodégradables. Ça existe, c'est possible d'en faire. Ces petites choses très très jolies sont faites à partir de cellulose de plantes régénérées. Ça veut dire que c'est ok pour ta peau, pour tes bougies, pour les trous de ton nez. Ça fonctionne, c'est pas nocif. Du coup, je les ai pas encore testées. Et là, comme je vais aller faire mes courses dans pas longtemps, et ben je pense que c'est l'occasion de s'en mettre partout. Du coup, nous avons la petite crème de base qui ressemble fortement à, je sais pas moi, du beurre de karité. Hop là, petite base collante. Je suis vraiment sérieuse hein, quand je dis que je pense que c'est les drag queens qui vont sauver le monde. Pour mettre mater absolument toutes les saisons de RuPaul Drag Race. Putain, l'univers du drag, c'est vraiment un endroit où la tolérance, l'acceptation de soi, la révélation de soi aussi via les artifices, en fait c'est tellement puissant que ça en devient aussi ultra militant et politique. Et il y a aussi toute une culture derrière avec des références cinématographiques, artistiques, des vrais mouvements artistiques, enfin c'est des vrais performeurs ces gens-là. Je suis mais persuadée que c'est ces choses-là qui font qu'on résiste à ces périodes de merde en fait. Donc là, petite paillette comme ça, mais je pense que je vais m'en foutre aussi sur la bouche. C'est pareil, ça me fait penser aussi à un groupe que j'adore qui s'appelle Idols et qui a sorti il y a quelques années un album qui s'appelle Joy as an Act of Resistance. Je pense qu'à un moment donné, il faut aussi savoir faire la fête et le voir presque comme un acte militant parce que sans la fête, on crève quoi. Je sais pas si c'était une bonne idée d'enlever sur les lèvres. C'est très désagréable sur les lèvres. C'était vraiment une idée de merde. Allez, on va peut-être terminer par un petit peu de highlighter. Oh. Et ben voilà, prête pour les courses. Ça y est, je pense qu'on est dans de bonnes conditions pour parler sérieusement d'un super projet. J'aimerais vous parler des associations de Maréchal Sol Vivant et de Vers de Terre Prod, qui, déjà sont des super chaînes YouTube à aller suivre si jamais vous vous intéressez au maraîchage et à l'agroécologie. Mais ce sont aussi des super personnes qui sont en train de développer un outil en open source qui permettra de mesurer la composition et la qualité nutritive des fruits et légumes. En gros, les gars sont en train de bosser sur la création d'un scanner en infrarouge qui sera utilisable à la fois pour les consommateurs et les agriculteurs. Donc lui, le consommateur, il pourra vérifier la qualité de ce qu'il achète. Et l'agriculteur, lui, ça lui permet aussi de savoir comment, dans quelle mesure il peut améliorer ses pratiques et aussi est-ce que ses plantes sont en bonne santé. Alors je sais, et j'imagine que vous avez l'impression qu'on est encore dans un délire de science-fiction comme tout à l'heure, mais je vous jure, les gars sont vraiment en train de développer cet outil. C'est hyper bien parti. Leur campagne de crowdfunding sur KissKissBankBank fait un gros carton en ce moment et je ne peux que vous inciter à aller aussi les soutenir. Je vous mettrai évidemment les liens dans la barre d'infos et je pense que c'est un outil qui pourrait apporter de grosses avancées dans le monde de l'agriculture. The Zorindou pour aujourd'hui, on garde la pêche, une danse de la pousse chaque jour et 2-3 paillettes sur la gueule et ça va passer. Je vous embrasse extrêmement fort, plantez tout, plantez-vous, love sur vous.